Nous, vendredi 21 septembre 2018, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal là. Je vais démarrer tout de suite avec prévisionniste Wilner Polidor pour conditions temps. Bonsoir Wilner. Merci pour fidélité avec attention pour prévision météorologique là. Nous sommes en début de week-end. Bon week-end à chacun de vous en allant comment situation météorologique là est sous région. Nous avons un tropical nous en cap décalé l'hiver partie occidentale Caraïbes là et au nord de pays d'Haïti nous avons un creux en altitude qui provoque un mazia qui plus ou moins humide sous pays d'Haïti mais pas gagné trop activité la vie pour aujourd'hui sauf que sous certains reliefs pays a supposé gagner quelques activités la vie qui sont capables de faire et isolées, surtout sous le massif du Nord, chaîne des Mateux, avec Mont Lacelle et puis massif de la Haute. Mais c'est des averses qui peuvent gagner vers les plaines. Cela veut dire que nous avons gagné un temps qui ensoleillé en journée sous le pays d'Haïti. C'est bel soleil avec vent qui a soufflé, même si ce n'est pas gros vent, mais nous avons senti vent qui a venté sous la majorité des départements. Mais en soirée et au cours de nuit, nous sommes là sous relief. Qui a supposé gagner quelques averses, mais toujours au département Antibonite avec Santa Spurée, gagner quelques averses isolées pour jeudi. Mais à partir de demain, nous avons un mazia qui est plus ou moins sec et stable sous le pays d'Haïti. Et la situation ça a persisté pour dimanche aussi. Cela veut dire que nous avons un bon week-end ensoleillé avec 24 ventes. Et le fait que la mer n'a pas trop agité, nous conseillons plusieurs monde qui ont gagné à la plage ou bien fait touriste local parce que nous avons un beau temps au cours de week-end ça. Capital avec zone qui avait eu son capital aussi pour aujourd'hui on a bien soleil sous capital avec zone qui avait eu lieu et en journée avec vent qui a venté tout sous capital pays d'Haïti en température qui a monté jusqu'à 35 degrés pour aujourd'hui à la fête très chaud sous pauvre mais ça avec zone qui avait eu lieu et puis par la descente c'est 24 degrés Celsius mais en soirée ou au cours de nuit il y a toujours une possibilité de quelques averses isolées par rapport avec quelques convections à bien sous tête monio capable de provoquer quelques averses sur le capital avec zone qui environne lieu pour jeudi. Et Jean nous dit là, c'est en tant cap clément pour demain et dimanche sur le capital avec zone qui environne lieu. Cela veut dire qu'il a toujours profité de beau temps ça pour ce capital là pour demain avec dimanche pour nous faire Jean nous dit à touristes local support avec zone qui environne lieu. Nous avons un maire qui agité sous côte sud pays d'Haïti, agité à faute, nous des capitaines de type précaution. Et pour golfe de la Gonava avec région nord pays d'Haïti, côte nord là, pas de trop sûr capable de naviguer, sauf que faut prendre précaution là avant d'entrer dans la fondation parce que au large, la mer a agité sous zone côtière. Pour pas sur le micro, le diaspora a couché à 6h48 et l'a levé de matin à 6h38. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour notre page météo. Bon week-end à chaque nouveau. Merci Wilner et bon week-end à vous-même tout. Dans l'actualité, le sénateur Dancelin Sorel Jacinthe exprimé satisfaction pour lancement travail, construction route Chambellan Damari, qui a fait vendredi 21 septembre. Le sénateur Jacinthe dit lancement travail, ça, c'est résultat des marches plusieurs parlementaires dans la région, bon côté exécutif là. Je vous invite à suivre un extrait dans le micro, Fednir Confident avec Moïse Wilbridge. Je viens de dire, mon dame Marie, mon grand dans, c'est où la bras commencer. Et j'ai besoin de la presse pour qu'on commence pour le pas camper. De Chambellan Julie, dame Marie Anzeno, les Iwa jusqu'à Carcas. L'aime dit les Iwa jusqu'à Carcas parce que c'est les Iwa qui communent, mais Carcas sont section, mais sont zone qui attenante à Tibio. Son route. Moi, je dis casquette chinoise, c'est bagaille, même cabrit pas capable de passer là-dedans pour un paysan tant qu'on qui connaît cabrit, comment il est capable de marcher quel que soit côté. Hein? Donc, nous avons fait des marches là. Beaucoup de président, beaucoup de travaux publics, Jérémy, beaucoup de travaux publics ici. Et les premiers ministres ont monté, je ne pas de parler ça parce que je ne pas de croire que l'on politique générale peut arriver dans la question. Hein. Mais en aparté, je dis sont priorités liées pour moi et pour toute grande danse en général. L'été dit, je vais faire toute salle qu'on est avec le président pour aussitôt que le monter, pour y envoyer
tout matériel que vous avez sur route grandance. Parce que Aldam Marie, c'est 55 km de à peu près 65 km de Jérémy pour arriver les Iwa. Mais l'arrivée d'Amarie à moitié route, là, l'arrivée Chambellan, ou qu'a fait n'importe 3 heures de temps, 4 heures de temps, parce que tellement route là-bas bon. Donc, les capables paraît un bagage insignifiant pour nous-mêmes dans Port-au-Prince, mais pour nous-mêmes dans la grande danse là, l'on a parlé de Les Iwa, Dame Anzeno, Dame Marie, Chambellan, pour arriver Jérémy. Son bagage extraordinaire parce que ces zones ça qui gagne cacao, ces zones ça nous connaît qui gagne fruits de mer, lambi, qui gagne poisson, qui gagne toute qualité, ces zones ça m'dakadi qui grenier de la grandance. Donc il se trouve que zone ça pas de route. Donc parler avec directeur départemental là, li dit yo bal instruction premier ministre et président pour li débattre sur route ça, tout matériel que le gagne pour y aller commencer. Sous le sénateur Jean-Ri Gobelizer souhaitait travailler construction route Sayo bien faite pour éviter l'écraser dans un titan pendant le féliciter exécutif là pour lancement ça. Sénateur Belizer encourager gouvernement pour construire divers lots tronçons route qui n'ont mauvais état. Toujours dans le micro, Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Dans le cadre de travail, le président a pour le faire, dans le sens pour permettre une infrastructure routière qui fait à travers tout le pays. Et je dis à moi que c'est le tour du département de la Grandance que nous connaissons généralement, qui est toujours traité en parents pauvres. Et nous bien content, le président Jovenel prend en compte la situation du département de la Grandance pour que je dis à eh bien, la Grandance bénéficie quelques tronçons de route. Et l'autre chose, Mabdou, presque toute rivière en dans le département de la Grandance, mis à part des quatre pour qui construit une sous la rivière Glace, une sous rivière Roseau, une sous rivière Voldog et une sous Tiginode, et bien presque toute rivière nous n'y a pas de pont. Donc je dis à nous espérer que dans le cadre de bataille, président Jovenel là, à la fin de son mandat, nous avons privé de pont qui traversait toute rivière. Là nous parlons des ponts, nous parlons des ponts entre Damare qui gagne 38,7 millions de gouttes, puisque nous te font des marques pour le président d'accord pour que le pont soit fait. Des ponts qui a traversé pour l'aïe pour s'allier en construction actuellement. Le budget nous permet de 35 millions de gouttes qui arrivent là-dedans. Mais je dis à nous avons un pont sous rivière Bonbon. Nous avons un pont sous rivière Anse-du-Clair, nous avons un pont sous rivière Abricot, nous avons un pont sous rivière La Sérène. Et bien nous avons demandé pour que y ait moyen qui mette en place pour que le pont soit reconstruit. En même temps, nous avons un pont qui traverse pour aller zone bois sec, et pour pont qui pour aller pour traverser à l'Ori sous Marfan. Nous avons un pont qui pour permettre aux gens qui l'autre bord Chambellan jouer une possibilité pour avoir accès à la ville sans qu'ils ne soient pas obligés de département pour que les produits agricoles. Citoyens, pas gaspiller. L'autre nouvelle député circonscription Limonadla, Tanis Tertius, encourage le ministre au travail pour satisfaire revendication population. Parlementaire a dit tout ministre qui pas bail résultat, pas capable de rester dans le gouvernement. Parlementaire a gagné pour jouer le rôle de Jean Constitution. Mandé ça. Nous invitons aussi bien l'autre extrait, toujours dans le micro, Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Cette fois-ci, quel que soit le ministre, là, il faut que vous travaillez. Si vous ne pas venir travailler, vous allez bien bonnet. Vous allez bien bonnet, parce que la situation pays, nous prenons exemple, dans le pays qu'on est là, il y a un problème, plus gros problème, nous avons un gros problème de l'hôpital. Dans le niveau ministère de l'agriculture, nous prenons le gouvernement ensemble pour une amélioration qui fait. Ministre de l'agriculture, terrain, travail terrain. Ministre santé, terrain. Travaux publics, terrain, faut qu'on aille. Faut faire terrain. Pas de question pour marcher, rete chita dans le bureau pour pas gagner qui régler. Ministre environnement, nous gagnons 30 bassins versants dans le pays. Il y a 25% qui dénudés. Faut venir dire nous qui sont prêts à le faire. Pour rétablir l'équilibre écologique. Là. Cette fois-ci que tout ministre peut travailler. Quel que soit le ministre qui vient, c'est ouest ou vient caler ou pour aller. Ou pour aller. Et c'est le Parlement qui pour faire le gouvernement marcher. L'autre information, ministère commerce et industrie remède.
20 septembre là, un chèque 500 000 gouttes by Gaïan concours plan d'affaires l'étape organisée pour jeunes entrepreneurs. Ministère a monté projet ça dans l'idée pour appuyer jeunes diplômés université avec l'école professionnelle et puis permettre yo créer petit et moyen entreprise. Moi j'y poursuivre. Cérémonie ça t'est déroulé en présence plusieurs ministères, famille et amis jeunes entrepreneurs ça yo. Projet concours plan d'affaires, c'est un programme ministère qui vise des jeunes diplômés. Un concours est réalisé dans trois départements dans le pays, Nord, Sud et Sud-Est. Selon un responsable qui expliquait, le projet ça a joué un financement à l'État haïtien pour une valeur de 15 millions de gouttes. Il vise à accompagner les jeunes diplômés dans la montée pour l'entreprise. Nous sommes en une phase, je pourrais dire, pilote d'expérience. Maintenant, on ne peut pas avoir choisi tous les départements au seul coup. Donc nous choisissons, ça nous pense qu'il y a le meilleur profil qui te répond à ça nous te, le profil que nous te dressons. Ensuite, nous choisissons. Maintenant, c'est très certainement, étant donné que c'est un projet d'autres départements du pays avec une plus grande envergure. C'est un projet régulier du ministère qui concerne les jeunes diplômés. C'est-à-dire que c'est un projet où on va à la recherche, on a cherché jeunes qui sont dans l'école professionnelle avec université et qui gagnent des idées, qui veulent créer propre travail, qui veulent créer propre emploi, mais qui va gagner un financement de base. Donc, qui ça, le projet, c'est permettre jeunes de développer l'idée et puis maintenant faire tout le monde d'affaires. Et puis, à partir de cela, nous pas cabaye tout le monde financement. On a fait un concours et de ce concours-là, on a eu seulement 10 millions. Et maintenant, le travail consiste à chercher de nouveaux financements, c'est-à-dire à resoumettre le projet auprès du ministère et de la planification, des finances, du gouvernement. Eh bien, je serai nécessaire de financer le projet à nouveau pour l'année prochaine. Youn a gagné un projet ça, Jeanne-Marie Luciana, qui sortit dans le département SID, expliquer contentement face à Créicitli dans le projet ça. Et puis, yon quoi? Il a privé créer propre entreprise. Nous sommes dans l'université de Vaud-Valan d'Haïti. Des méthodes banane pif nous fait par nous-mêmes. C'est qui j'ai pour multiplier banane pour café côté revenu, il j'ai à bail 20 à 25 ban, et puis plantir. J'ai toujours rêvé pour toujours pour gagner une propre entreprise femme pour me sortir c'est pas dans un autre côté mal travail mais c'est dans affaire femme côté ma mon emploi pour le travail même. Jeune entrepreneur sa yo kap travay nan diferans sekte. Aktivite promet y ap aplike retombe proje sa pou fasilite yo monte propre entreprise yo. Dans l'occasion journée internationale la paix, jeudi vendredi 21 septembre, la mission parlementaire pour la paix avec Fédération internationale la paix a organisé dans Port-au-Prince trois journées d'activité. Dans l'occasion, un député Patrick Nozeus, un membre groupe parlementaire pour la paix, a encouragé tête ensemble avec la paix dans la société. Parlementaire a quoi c'est un moyen pour gagner développement et changement. Suivant extrait dans le micro, Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Il y a une grande activité qu'on a organisée demain à l'hôtel Marriott de 10h à 1h. Et il y a trois gros volets dans l'activité. D'abord, c'est la commémoration de la Journée internationale de la paix. Et il y a la section haïtienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix que nous avons lancé, nous avons inauguré demain dans l'hôtel Marriott. Et demain, on a fait nomination de plusieurs ambassadeurs de paix. Donc, on est Fédération de paix universelle, c'est une organisation gouvernementale qui est affiliée, qui travaille de concert avec l'ECOSOF, le Conseil économique social des Nations Unies, et qui travaille dans la question de la paix à travers le monde, la paix dans l'État membre, l'État, et tout côté qui gagne conflit, qui gagne la guerre, l'organisation se travaille, il fait des plaidoyers, il fait un pile campagne d'éducation, de sensibilisation. Par exemple, depuis 20 ans, et UPF, aux Fédérations de paix universelle, ils travaillent en pile pour nous faire ce qu'a fait jeudi à la rapprochement que fait André de Coréo.
depuis près de 20 ans que l'UPF a travaillé, a fait des activités entre les leaders coréens du nord et du sud, et qui vient abouti aujourd'hui dans l'approchement que nous avons là. Ça fait longtemps que l'UPF travaille dans le problème Israël avec Palestine, pour aussi parler, rapprocher les leaders palestiniens et les leaders israéliens. C'est toujours dans le cadre pour renforcer la paix. Donc, demain, nous avons gagné. Les parlementaires, et nous connaissons que la question de la paix, hein, c'est une question qui est liée avec d'autres problèmes sociaux et d'autres phénomènes sociaux. Par exemple, la paix, hein, les gens voulaient bataille contre la pauvreté, les gens voulaient de lutte contre l'inégalité sociale, les gens voulaient lutte contre l'exclusion sociale, lutte contre la violence faite aux femmes, la violence faite aux filles, et violence qui fait contre Timon. Et la paix a gagné la bataille pour défendre le droit Timon, par exemple. Institut haïtien et statistique et informatique organisé un atelier travail sous évaluation recensement pilote qui était en main d'hygiène pour bout 10 d'août passé. Évaluation recensement pilote ça rentre dans cadre objectif préparation 5e recensement général population et habitat cap bien pour fête dans mois mars 2019. M'invite à suivre un reportage avec Seth Kwapaki et puis Lydier Dieudonné. C'est dans l'idée pour réaliser 5e recensement général pour population et habitat, Institut haïtien statistique et informatique organisé atelier travail ça sous évaluation recensement pilote qui était déroulé dans date 10 juin pour arriver 10 août 2018 passé à dans 4 départements qui c'est l'ouest, la Tibonite, Grand-Anse et Nord-Ouest. Côté 120 agents étaient mobilisés dans la formation à préparer ensemble question pour recensement général là d'après le directeur RGPH là, Milmen Daniel. Recensement pilote. C'est un recensement d'Acadie en miniature que généralement il réalise avant tout recensement général. Recensement miniature, ça, c'est une sorte de test sur toute phase que recensement général, population, gagne pour les gens en compte. Recensement pilote là, il est situé dans la phase préparatoire des activités du recensement général. Recensement miniature, ça, c'est une sorte de test sur toute phase que recensement général, population, gagne pour les prendre en compte. Recensement pilote, là, il est situé dans la phase préparatoire des activités du recensement général. 120 agents d'énumération, ça, nous sélectionnez en fonction justement de 120 sections d'énumération, c'est-à-dire des SDE, que nous avons choisi sur l'ensemble du territoire national. Recensement général population et habitat, c'est une activité qui a facilité le processus de décentralisation, ça qui a permis aux autorités dans l'État d'établir une politique publique dans ce sens. Nous avons toujours dit que le recensement de population, ce n'est pas travail institut haïtien de statistiques seulement. C'est une opération décentralisée. C'est dans la commune même que vous allez organiser le recensement. Nous-mêmes nous préparer, qui recevra formation, qui pourra coordonner et administrer toute opération dans la commune. Même gens responsables départementaux là, pral prend charge pour les coordonner et administrer toute activité dans le département que la travaille. Cinquième recensement général population et habitat a bien pour dérouler dans le mois de mars 2019 cabinet là, qui a organisé sous thème recensement population, ces affaires nous toutes en poté collé. L'autre dossier, Fondation haïtienne contre cancer la Kaïtimoun, réalisé jeudi 20 septembre, yon journée porte l'ouvri, dans 4 mois, sensibilisation yap fait sous cancer la Kaïtimoun. D'après responsable FASIO, activité ça rentre dans logique mission yon bay tête yon pour aider famille qui gen timoun kap souffri à cancer, jouen pi bon prise en charge. Journée porte l'ouvri ça a été occasion pour une équipe dans TNH, gade à initiateur yon qui sa cancer la Kaïtimoun. Nous invitons à suivre un reportage à Rachel Saint-Fort et puis Fresnel Toussaint.
Selon responsable fondation haïtienne anti-cancer infantile Fassi, cancer infantile là, c'est n'importe quel cancer qui atteint tout le monde. Gros mal tête, vomissement, si tout bien bonnet le matin ou bien qui vient plus grave pendant la journée, perdit poids ou pas expliqué ou soit la fièvre, tout ce qui a persisté ou bien souffre-coute, mouillé en tremble en nuit, anémie, sans caillé en bas peau, saignée, hémorragie, douleur dans l'eau. C'est quelques signes à symptômes avertissement, cancer qui a été mon. Par exemple, pour un petit monde qui a perdu du poids, il a la fièvre tout le temps, la plaie, genou la fait mal, coude la fait mal. Ça, c'est un signe de cancer. Un petit monde qui a vomi, il n'y a pas raison pour vomir. Un petit monde qui a toussé. Un petit monde qui a un problème dans les yeux, il n'y a pas bien. Ou est que forme des yeux a changé, couleur des yeux a changé. Tout ça, c'est des signes qui ont dit que bon bagaille, bon problème. Et le ça, ou le docteur, le docteur a référé, s'il est nécessaire, bail un spécialiste pour un diagnostic qui précis. Façon nous vivre, nous manger, nous fonctionner, mettez sur l'autre facteur héréditaire, environnement, qu'à la cause cancer, toujours d'après responsable facile. Moi, je ne crois pas que il y a un bagaille précis qui cause cancer. Il y a des facteurs génétiques qui ont fait que dans la famille, ou tel type de cancer, ou qu'à rejoindre le reste familial, et c'est vrai. Ou qu'il y a des facteurs environnementaux, ça veut dire que dans l'air qu'on a respiré, hein, si on vit dans un milieu qui doit tout préciser, il y a divers collaborateurs qui offrent au pourcentage souvent. Nous essayons de joindre support pour encadrer les familles, encadrer les timounes, mais surtout nous avons une collaboration avec l'hôpital Saint-Damien, l'hôpital aux petits frères et sœurs qui est à bord, côté timounes prend en charge. En général, ou gagne et parents qui ont un petit problème pour petit monde, ils vont aller chez le docteur Aveli et là ça docteur a identifié que son bagage qui est en dehors de si la grippe, si la fièvre que petit monde là qu'a gagné, ou bagage que lui-même il a traité, il référé à l'hôpital Saint-Damien. Hôpital Saint-Damien depuis moins quoi une dizaine d'années, une passe de date là, il y a une unité oncologique qui l'ouvre. Ça veut dire que dans une zone dans l'hôpital là, on a le problème petit monde, c'est problème nous tous. Puis bonnet, c'est grand matin. N'importe monde qui t'a remarqué symptôme, qui citait puis voyo la caillon petit monde, vous menez le cas docteur sans perdre du temps d'après responsable facile. Merci Rachel, à Toussaint. N'après un coup de pause, restez branchés, n'abtonnez. Page qu'il tirait la groupe officiel organisé cérémonie présentation devant public haïtien jeudi 20 septembre là. Groupe ça gagne un staff management à 13 musiciens qui baille tête yo objectif porter contribution pa yo dans développement compas en Haïti. Manager groupe là Kervin Roméus fait connait li prend toutes mesures nécessaires pour permettre chaque musicien si yon pour pipiti 3 l'année, mais ça prend pour empêcher l'autre gros jazz débaucher musicien groupe là, ça qui d'après manager a permet groupe là rester uni pour pas sentir ça. Nous avons joué à Béchadre et moi je déjà qui l'ont va me dire qu'il faut mettre l'autre nègre avec. Et c'est dans ce ça. Son diable qui va déjà dans Montréal, son diable qui passe Montréal très prochainement. Nous avons retourné Montréal 6 novembre ou soit décembre. Ils sont déjà quoi pour elle, nous avons un frère Zomaké, officiel Montréal de Canada, officiel de Montréal. Je vais dire que le stable Montréal, il y a quelques équités, nous venons rentrer avec Jazz encore, nous venons rentrer avec l'équité, nous venons nous former avec cette musicienne. C'est dans ce sens que même si le président ne sera là en Haïti, que le public est capable de sortir ça. En esprit quand même, nous jouons là. Jazz est une institution liée, c'est peut-être ça que j'ai commencé à imprimer le contrat, c'est-à-dire que au monde depuis si un contrat à Jazza, il a gagné 3 ans pour pipiti pour passer à Jazza, même si on l'autre jazz qui a relé, mais la fin passer 3 ans, la dit que le va dans Jazz encore. On prend son institution, normalement il faut qu'on règlement. Et le règlement c'est 3 ans. On prend après 3 ans, si toutefois le sentit pas confortable ou sinon la jeune non plus bon avantage, ok, c'est après 3 ans la a abandonné. Jeune chanteur Jones Iber Constant, qui gagne en scène artiste Constant, annoncé publication vidéo musique L'amour infini, qui déjà disponible sur toute plateforme diffusion yo mardi 18 septembre 2018 là. Mousso musique ça qui fait en collaboration avec Cassidy, d'après artiste là, gain feedback qui très positif. Li profite tout encourager l'autre fanatique qui pour voir vidéo à regarder sur page. Nous invitons suivre. Dernière année participer dans 18 septembre, c'était 2014.
2014. Après moi j'ai fait en musique et qui titre musique c'est médicament qui disponible sur toute plateforme. Dans le sport, on a parlé football, commission qui a organisé championnat national 2e division a confirmé pour week-end ça. Deuxième journée série retour compétition ça. Aigle Noir ou la dos de sous matelas, c'est une affiche pour deuxième journée ça. À l'étranger, championnat d'Espagne, Real Madrid a recevoir Espagnol de Barcelone dans stade Santiago Bernabéu. Demain samedi, à l'occasion 5e journée Liga, alors que Barcelone dimanche a rencontré Genoa. C'est là nous mettons en bout dans 5e et dernier soir. Petit journal mitan journée pour semaine ta nous te prend pile plaisir pour informer ou rester sous TNH pour reste programmation. Bon week-end, bye bye tout le monde.